I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? Woo! N-W-O. The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." It's Vader time! Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce spécial sur Leon White, a.k.a. Vader. Je suis Nostradamus et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau, a.k.a. Ocho Josh Ryan, on va dire. Comment ça va, mon Ben? Ah, ça va très bien. Excusez pour le non, du c'est début. Correct, ça. Émission spéciale sur un gars qui nous a fait vraiment capoter. Il faisait peur, là. Qu'est-ce qu'il faisait peur? Il était crédible. Puis, Il était incroyable, honnêtement. Pour 5 gros bonhomme de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 350 livres, genre, 400 livres. Ouais. Ah, il était incroyable. Sa grosseur à faire des moonsaults. C'est Bam Bam Bigelow à sa manière, un peu. Ouais, sauf que lui était stiff. Ouais, puis ça, on va en parler plus tard dans le... Yes, dans le fond, on fait une émission spéciale, mesdames et messieurs, sur Leon White, comme Benoît vient de le dire. Et puis, bien connu sous son personnage, soit annoncé dans le fond du Colorado. Il est né à Linwood, en Californie, le 14 mai 1955. Comme plusieurs autres lutteurs, Benoît, si je ne m'abuse, il a fait une carrière aussi en football, hein, pas juste à la lutte. Ouais, comme Lex Luger puis comme Ron Simmons. Je suis sûr de penser à eux autres, je te connais. JBL. Ouais, ouais. Une bonne gang qui ont fait du football. Ouais, vraiment. Que ce soit la NFL, la CFL. Yes. Puis il a été repêché par la NFL en 1978. Hey, ça devait être tout qu'un gars. Hein. Même un corps arrière, mon gars. Un joueur de ligne, même sport school. Un genre de refrigerator, un peu. Ah non, c'est sûr. White a été repêché par les Rams de Los Angeles. Et puis, lors de la saison de recrue, White a vu son équipe aller au final du Super Bowl et a valu à White une bague de championnat de la National Football. La Ligue nationale. Ouais. C'est la Ligue américaine, la Ligue nationale. Yes. Les autres, c'est les champions de la nationale. Yes. White a passé la saison sur la liste des joueurs blessés en raison de problèmes de genoux. Il n'a joué aucun down et n'a enregistré aucune statistique. White a été contraint de mettre un terme à sa carrière de footballeur à cause de cette blessure. Mais là, c'est ça. Comme j'expliquais l'autre fois, c'est des affaires que je ne comprends pas. Là. La lutte, ça magane peut-être un petit peu plus que le football. T'sais, tu quittes le football pour un autre sport, mais tu t'en vas dans la lutte, tu vas te scraper encore plus. En tout cas, c'est juste mon opinion. Ben, c'est sûr que, ouais. Brian Pillman, c'est ça que ça a fait tout. C'est sûr. Ahmed Johnson. Ouais, carrément. Quand il nous a rencontrés, d'ailleurs, on a fait une super de belle émission avec Ahmed Johnson. Si jamais vous pouvez aller sur notre YouTube channel, puis la vidéo est encore disponible. Il n'y a aucun problème à aller la voir. Les débuts de carrière de Leon White, ils ont débuté en 1985, après avoir été entraîné par le lutteur Brad Ringens. Il a commencé avec le nom Baby Bull, qui a ensuite été changé en Bull Power durant ce temps. White, il a perfectionné ses habiletés et ses skills de lutte considérablement. Au point où il a eu un title shot contre Stan the Man Hansen, l'homme à battre de l'époque. On se souvient qu'au Japon, ils ont eu des très grandes rivalités qu'on va pouvoir parler plus tard. Exactement. Pour le championnat du monde de poids lourd de la AWA. Puis Vader, il a perdu ce combat là, malheureusement. Mai 1986, c'est en tant que Bull Power qu'il fait carrière en Allemagne et en Autriche à la Catch Wrestling Association du lutteur-promoteur Otto Wands. Là-bas, il participe au tournoi de 3 jours de la Vienna Catch Cup. Il atteint la finale avant de s'incliner face à Klaus Wallace. Le 22 mars 1987, dans le fond, Vader, il a gagné son premier championnat, la CW World Heavyweight Champion, en battant Otto Wands à Denver, Colorado, mettant fin au règne du Wands
de près de 9 ans lors de son seul changement de titre aux États-Unis. Il a conservé son titre jusqu'à notre fête, dans le fond, le 11 juillet mai 1987. On avait 3 ans avant de s'incliner face à ce même Ones à Grasse en Autriche. Fait que, tu sais, quand on parlait là, que Honky Tonk Man avait un long règne, que Roman Reigns avait un long règne, ben, écrive ça, c'est un règne de 9 ans. Là. D'après moi, ça n'a jamais été battu. Là. Ah, et même Sammartino, c'est 8 ans à WWE. Ben, c'est ça. Fait que, d'après moi, c'est ça le world record. Là. Sauf que là, c'est ça, c'est en Autriche, c'est pas mondialement. Non, parce que WWE, c'est mondialement. C'est sûr, exact. Décembre 87, victoire de la Bryman Catch Cup. Il a vaincu Rambo en grande finale en Allemagne. Yes. 21 août 89, c'est à Vienne en Autriche qu'il bat Owens pour remporter son deuxième titre mondial CWA. Il a détenu le championnat pendant un peu plus de 4 mois. Avant de le perdre contre Vance à Brême en Allemagne le 22 décembre. Coudonc, Vance, c'est-tu parti une fête pour ce sacré champion? Non, non, mais tu sais. Excusez-moi les auditeurs, mais c'est ça pareil. Non, non, c'est ça. Puis là, en 90, il a battu Rambo, comme tu as dit, dans le fond, pour remporter le titre vacant. C'est après, ça, après la retraite de Vance, ouais, c'est ça. Le titre a été vacant. Après ça, le 21 décembre 91, la victoire contre le japonais Tatsumi Fujinami en Allemagne pour devenir le premier champion poids lourd intercontinental de la CWA. Puis il a dû abandonner le titre en 1992 après avoir signé avec la World Championship Wrestling, la WCW qu'on connaît bien aujourd'hui. En 1987, c'est en joignant la New Japan Pro Wrestling que Leon White a reçu le nom de ring de Big Van Vader et a commencé à porter le masque de lutte. Dans les débuts, c'était un masque noir. À un moment donné, ça a viré un masque rouge. Ouais, c'est ça. Il était là, t'en maudit son masque noir. Ouais, puis c'est à l'époque où il arrivait avec son espèce de grosse armature. Puis que, la vapeur, là. Ouais, puis qu'il pouvait, ouais, qu'il pouvait mettre à côté de lui, puis qu'il avait de la vapeur, là. C'était là. Tu sais, le masque de Vader, il a inspiré. Je sais pas si tu te rappelles de Tecmo Wrestling, le jeu sur le Nintendo, là. Ouais, ouais. Le Dr. Gildo, là. Ouais, ouais. C'est, ouais. C'est inspiré de ça, le masque. Ah, c'est sûr. C'est... En février 1990, il a affronté Stan Demenson lors du show de la AGPW contre NGPW, appelé Super Fight in Tokyo Dome, je l'ai d'ailleurs. Ouais. Avant que Vader n'entre sur le ring, Hansen a involontairement cassé le nez de Vader avec la corde du taureau que Hansen a porté sur le ring pour ses matchs. Au cours d'un échange de coups qui était stiff, ce qui veut dire vraiment ouais, dur, là, tu sais. Hansen a accidentellement mis son doigt dans l'œil gauche de Big Van Vader, puis l'œil a sorti de son orbite après avoir retiré son masque, repoussant l'œil de son orbite. Et le maintenant en place avec sa paupière, Vader il a continué à faire son combat, à lutter contre Hansen. Puis ça l'a fini en no contest. Puis à la suite de cette mésaventure-là, Ben, il y aurait eu une intervention chirurgicale pour se faire mettre une plaque de métal sous son œil. C'est malade. Mais c'est ça, c'était en permanence au moment où ça l'a fait enlever. Attention, là, je pense que tu baisses trop. Là. Non, non, c'est correct. OK, janvier 91, victoire face à Tatsumi Fujinami pour se mériter. Un troisième règne du titre IWGP Heavyweight. Il a perdu ce titre contre ce même Fujinami le 4 mars. Yes. 1er mars 92, formation de Big Bad and Dangerous avec la bête de l'Est Bam Bam Bigelow. Ils ont gagné le championnat IWGP Tag Team contre Hiroshi Heise et Kaiji Muto, le Great Muto qu'on connaît. Pour le perdre face aux Steiner Brothers le 26 juin 92. Yes. Et puis le 12 juillet 1992, c'est la fête à Michel Louvain. Puis Sami Zayn. Non, mais le plus, c'est que. Moi, je sais. Non, mais c'est lors de Great American Bash, il bat Sting, il devient champion poids lourd de la WCW pour la première fois. Puis il a perdu 3 semaines après contre Ron Simmons. Ça, c'est la fois que Ron Simmons, là, ça a fini avec un Power Slam. Ouais. Oh, on s'en attend pas. Power Slam sournois 1, 2, 3. Yes. Premier afro-américain à être champion. Champion de la WCW. Yes. 25 octobre 92, lors de Halloween Havoc, le frère à Mélanie. Yes. Non, c'est une joke. Il bat Nikita Koloff et envoie ce dernier à la retraite. Yes. D'ailleurs, Nikita Koloff, éventuellement, on va avoir probablement son fils en entrevue. Faut que je regarde avec. Ouais, ben j'avais déjà écrit à Nikita Koloff. Yes, faut qu'on y reparle. Et puis, le 30 décembre 1992, il a récupéré son titre face à Ron Simmons lors d'un house show à Baltimore, au Maryland. Et
dans le fond, il a reperdu son titre face à Sting en, le 11 mars 1993, mais il l'a regagné comme 6 jours après. Dans le fond. Ouais, durant son troisième règne de champion WCW, yes. Il a connu de grosses rivalités avec Cactus Jack. On va parler d'une anecdote tantôt, yes. Qui laissera personne indifférent. Avec le British Bulldog, Sting. 27 décembre 1993, il passe son titre face à Ric Flair lors de Starrcade dans un title versus career match. Yes. Comment dire, si Ric Flair perdait, ben, il devait prendre sa retraite. Ouais. Puis, ben, puis si Vader perdait, ben, il perdait son titre. Là. Exact. Excusez-moi. Et puis, victoire de la. Dans le fond. 16 mars 1994. Hein? Ouais. Vader était reconnu pour être un lutteur stiff. C'est pourquoi, dans le fond, Mick Foley a perdu son oreille de droite. Est-ce que tu veux nous conter cette fameuse anecdote-là, mon Ben? Ouais, ben, à force de puncher fort, puis aussi. C'est lors d'un match à Munich en Allemagne. La tête de Foley s'est retrouvée coincée dans les cordes qui étaient sous une tension excessive, ce qui lui a arraché l'oreille. Ben, remarque que les punches qu'il a, ça n'a pas dû aider non plus. Non, mais dans le fond, il s'est ramassé comme entre la 3 et la 2 en faisant un flip. Puis là, il avait la tête pognée de même. Ça serait pendu, dans le fond, sur l'oreille. Là, ben, il s'est arraché l'oreille un peu comme par lui-même parce que tu sais, il a voulu sortir de là. Parce que sinon, il serait probablement cassé le cou, cassé un mouchoir ou je sais pas trop. Puis là, ben, il veut pas, hein, qu'est-ce qui dépasse de la tête, ses oreilles. Fait qu'il y en a une des deux qui est chouk. Fait que c'est un peu la même chose que Yukon Eric, sauf que les cordes, c'était Kowalski. Yes. Tu veux faire. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Yukon Eric, comment on l'appelait, lui, déjà? C'est vrai, je... par accident, je l'appelais Yankon Oreille. Yukon Eric. Paix à son nom. Paix à son nom. Le 27 décembre 1993, il y a eu... 94? Excuse-moi, 94, victoire du... face à Jim Duggan à Starrcade de 1994. Pour la SAP US. C'est ça. Et puis, vas-y. En l'année 1995, il connut une grande rivalité avec le champion Hulk Hogan en se joignant avec... À The Dungeon of Doom de Kevin Sullivan. Ça, s'il voulait anéantir le Hulkster. Ouais. C'est ça, il voulait carrément enlever Hulk Hogan de leur passage. Puis, tu te souviens, il y avait eu des vignettes, hein, les gars étaient sur le bord de la plage. Hein. C'est comme ouais. À cette période-là. Hein. Il a essayé de détrôner Hogan du titre poids lourd hein, à certaines reprises, mais sans succès. Petit fait intéressant, des extraits de son match de cash face à Hogan... lors de Bash at the Beach 95, a été diffusé dans un épisode d'Alerte à Malibu, tout comme le match de Flair versus Savage. Exact, exact. Ça l'a fait comme du cross-marketing, comme ah, on appelle. Le 21 janvier 1996, il a fait ses débuts à la World Wrestling Federation de Vince McMahon lors du Royal Rumble en entrant en numéro 13 et en éliminant Jake Roberts, Doug Gilbert, un membre de l'équipe de Squat et Savio Vega. Il a également combattu avec son allié Yokozuna, mais Vader a été éliminé malheureusement par Shawn Michaels, qui a gagné le Royal Rumble cette année-là. Ouais, comme le 95. Yes. Puis, quand Vader a été éliminé, il a rentré dans le ring à l'insu des arbitres, puis il s'est mis à bastonner tout le monde. Son yes, c'est ça. Le 22, ben, y compris Shawn Michaels. Bon. Yes. Le 22 janvier 1996, lors de Raw, il a vaincu Savio Vega et a fait son Vader Bomb à Gloria Monsoon après que ce dernier ait essayé de faire cesser les attaques de Vader sur le Portoricain. Puis d'ailleurs, c'est une. Ben, ça fait comme partie de pas mal des dernières apparitions de Gorilla Monsoon parce qu'on se souvient que Gorilla Monsoon est décédé pas longtemps, un petit peu après cette période-là. Et puis, on a parlé. Dans le fond, récemment, on a une émission sur Owen Hart. Et puis, le 31 mars 1996, lors du WrestleMania 12, dans le fond, ouais. Ben, Vader, Owen Hart et The British Bulldog, ils ont battu l'équipe qui était constituée de Yokozuna, qui a viré face plus tôt dans l'année, Ahmed Johnson et Jake the Snake Roberts, avec la situation que si l'équipe de Yokozuna gagnait le combat, il y aurait 5 minutes seul avec Jim Cornette dans l'arène. Mais on n'a pas eu la chance parce que c'est les Hills qui ont gagné. Yes. 8 avril 1996, dans le kayfabe, bien entendu, lors de Raw, Vader a cassé la jambe de Yokozuna. D'ailleurs, on en parle dans le spécial sur Yokozuna. Ouais. Vous irez écouter ça, c'est très intéressant. Yes. Et puis, le 18 août 1996, lors du main event de SummerSlam, il a perdu son title shot face à Shawn Michaels. Qui était la vedette de l'époque, qui a conservé son titre. Le 19 janvier 1997, lors du Royal Rumble de la même année, il bat Undertaker lors de single match après une intervention de Paul Bearer sur Undertaker. Yes.
c'est là que Paul Bearer a viré heel. Non, il a viré heel. C'était pas King of the Ring qui avait viré heel? Il me semble que oui. Un genre de locker room match contre Mick Foley. C'est là que Paul Bearer avait... Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est au Survivor Series 97. Non, c'est au King of the Ring 96, ouais. Il me semble. Il sort pogné au SummerSlam, mais... Ouais, ça se peut. Ça veut dire que Paul Bearer était déjà viré à cette époque-là. Mais là, avec cette victoire-là, Vader, c'est devenu un allié de Paul Bearer. Puis c'est ce qui explique que Vader et Mankind étaient en équipe. Ouais. À WrestleMania 13. T'as un peu mon don, un peu. Ouais, c'est ça. Le 16 février 97, lors de In Your House 13 Final Four, il fait un Four Corners Elimination Match pour le title shot WWF avec Steve Austin, Undertaker et Bret. Hart, que Hart remporte. Le 23 mars, moi, c'est ça. Yes, le 23 mars 97, lors de WrestleMania 13, lui et Mankind défient les champions par équipe Owen Hart et les British Bulldogs, mais Owen et British Bulldogs ont conservé leur titre. Ouais, c'est un double count-out, disqualification. Yes. 6 juillet 87, au In Your House 16 Canadian Stampede, il perd face au champion WWF Undertaker. Yes. Et puis le 7 juillet 1997, le lendemain, à Raw, il a viré face pour l'une des rares fois de sa carrière après avoir attaqué Bret de Hitman Hart, qui était à l'époque dans la Hart Foundation. Oui, il avait reparti une nouvelle Foundation. Il est devenu, dans le fond, il est venu aider The Patriot. C'est ça, hein, ouais. La mémoire, hein, c'était ça. Hein. Et puis Vader a attaqué The Patriot, puis l'a ramené sur le ring où il est allé chercher... Vader Bomb. Le Vader Bomb qui est allé. Il a fait dans le fond un Vader Bomb sur Hart qui est entré dans le ring. Puis il a posé le drapeau canadien sur The Patriot alors que Vader est descendu, a ramassé le drapeau canadien. Il a cassé le drapeau canadien. Puis il a commencé à se battre avec Owen. Pas avec non, Owen Hart, mais avec Bret Hart. Exactement. Ce qui a amené une feud, je pense, avec. Ouais, ben ils sont pognés à Bad Blood, un flag match. Ouais, c'est ça. Bret Hart puis le Bulldog contre le Patriot puis Vader. Mais c'est Bret puis Bulldog qui ont gagné. Bulldog qui avait gagné, c'est ça. 9 novembre 1997, en tant que membre de Team USA avec Vader, Goldust, Mark Merrow, Steve Blackman, accompagné de Sable, ils perdent de face à la Team Canada, British Bulldog, Jim Neidhart, Dirk Furness et Phil Lafond. Au Survivor Series 97, d'ailleurs le Montreal Screwjob la même soirée. C'est la même soirée, c'est ça. Et puis le 18 janvier 1998, lui et Goldust, ils ont eu une feud en 90, la feud, le restant de la feud de 1997, dans le fond. Ils se sont finalement affrontés au Royal Rumble 1998 dans un match que Vader a remporté. Puis Goldust, il a éliminé Vader du match du Royal Rumble plus tard dans la nuit. Vader est entré en numéro 30. Tu te rappelles le single qu'il avait fait avec Goldust au Royal Rumble quand il fait son Vendor Bomb? Luna Vachon est dessus, elle essaie de le feu. C'est vrai. Il embarque avec Luna Vachon, fait le Vendor Bomb sur Goldust. Yes. Puis à cette époque-là, il était face parce que Goldust était ultra heel. Ben oui, formerly known as Goldust. Ouais, parce qu'il y a eu. On pourrait en faire une émission éventuellement sur Goldust, ça serait vraiment nice. Ben, tu sais, Dustin Rhodes, tu sais, c'est en époque de WCW. Puis jusqu'à aujourd'hui, tu sais, puis tu sais, il y a des belles choses à apprendre là-dessus. Continue, mon ami. 15 février 98, lors de No Way Out of Texas, il perd un single match contre Kane. Il se fait faire le tombstone, ça rappelle. Oui, yes. Et puis jusqu'à la fin de son contrat avec la WWF, Vader s'est mis à jobber à un des feuds, notamment avec Mark Henry, Justin Hawk Bradshaw. Par la suite, il luttait au Heat, il luttait à Shotgun, puis c'est rare qu'il gagnait. Exact. Par la suite, il a fait des apparitions à AGPW, à Pro Wrestling NOAH, à TNA aussi, une courte apparition à TNA. Puis il a lutté un peu comme dans le circuit indépendant, là, tu sais, de mémoire. Là, il avait lutté même avec, comment il s'appelle, là je me souviens pas de son nom, c'est comme une grosse vedette en ce moment à New Japan Pro Wrestling. En tout cas, ça va sûrement m'en revenir. Pas Kobashi, non? Pour... Non, c'est lutte encore, le gars que je te parle. Okay, non. Mais c'est un Américain. Il est blondiné, châtain un peu. Je me souviens pas de son nom. Will Ospreay. Okay. Will Ospreay. Pas ça, t'as le Will Ospreay. Non, mais d'abord, tu le décrivais. Non. Et puis, le 1er novembre 2005, lors du Taboo Tuesday, était dans le coin de Jonathan Coachman avec Goldust dans un street fight face à Batista, que ce dernier a remporté le combat. Mais il commençait à perdre de sa souplesse parce qu'à un moment donné, Batista, il a un fucked up, il arrive à faire un spinebuster, ça ne marche pas.
faut qu'il s'en reprenne une deuxième fois pour avoir le spinebuster comme il faut. Yes. OK. Ensuite, le 11 juin 2012, Lord of the Rings, il bat Heath Slater. Ben oui, Heath Slater, là, c'était le petit jobber qui mangeait une volée par tous les gros noms. Toutes les grosses légendes. Hein, tu sais, il dit Slater time. Puis là, à un moment donné, tu vois mon vendeur à gris. Ah ouais, je me souviens, il y avait eu Sid Vicious, Animal. Ben Vader, Lita, donc de clown. Ouais, c'était hot. Puis si Bam Bam Bigolo puis British Bulldog et tous ces gars-là auraient été là, hein, c'est sûr qu'il aurait probablement fait partie du lot aussi. Mais là, un fun comparaison avec Randy Orton. Randy Orton, c'était The Legend Killer. Fait qu'Heath Slater, c'était The Legend Jobber. Pas mal. Sans vouloir l'insulter. C'est ça, pareil. Et puis... ben, veux-tu parler un petit peu des... ouais, ben, c'est... Ouais, c'est ça. En 2016, la veille de WrestleMania 32 au WWE Hall of Fame, c'est lui qui a intronisé son grand rival, Stan de Man Hansen. Yes. Le 18 juin 2018, malheureusement, décès de Leon White et Kay Vader. Après une hospitalisation d'un mois pour une pneumonie à l'âge de 63 ans. Même que, je te dirais, 2015-2016, il avait vu un cardiologue et il disait qu'il ne restait pas bien de temps à vivre. Mm-hmm. Ensuite de ça, le 1er avril 2022, lors du week-end de WrestleMania 38, il a été intronisé à titre posthume au WWE Hall of Fame par son fils Jesse White. Oui, puis la récompense du Pro Wrestling Illustrated, je te dirais que en 1993, ben, c'était lui qui a été nommé Wrestler of the Year. Cool. Tout le monde pense que c'est Bret Hart, le Wrestler of the Year en 1993, d'après le Pro Wrestling Illustrated. Mais non, c'est Vader, le Wrestler of the Year. Nice. Alors, c'est ici que se termine notre superbe émission sur Big Von Vader, qu'on a trippé Vader Time et qu'on a aimé crier après et le détester. Ben, honnêtement, il nous faisait tripper parce que il sortait de l'ordinaire. C'était un gros monstre. Il faisait partie des Monster Hill de ce monde. Ouais, ben, carrément. Puis en plus, je te dirais que c'est même inspiré de Monsieur Spock, son fameux salut Vulcain. Yes. Je suis pas capable de le faire de la main gauche, mais je suis capable de le faire de la main droite. En tout cas, tu es capable de le faire des deux. Ça va être à cause des bombes, c'est bon. Probablement. Alors, le mot de la fin, mon ami? Merci beaucoup, chers Wrestle Rock Stars, d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement pour un Wrestle Rock Podcast. L'action ne manquera pas. Au revoir.